Salut, c'est Sonny de Balls Out et bienvenue sur le coin métal. Bon, bonjour, voilà, nous voilà dimanche et nous sommes avec un des membres de Balls Out. Je fais pas de pub. Bonjour Sonny. Salut Eric, ça va? Ça va très bien. La première chose, pourquoi ce nom Balls Out? Pourquoi ce nom Balls Out? Nous nous sommes formés en 2016, il était une fois, un groupe de rock qui voulait faire du hard. Écoute, quand on a voulu se produire sur scène, tout ça, on s'est dit, les gars, il faut un nom de scène. On a beaucoup communiqué entre nous et on s'est dit, on veut un nom qui soit percutant, qui marque. Et de fil en aiguille, nous sommes arrivés à Balls Out. On s'est dit, les gars, il faut qu'on monte nos couilles. Et on s'est dit, allez, Balls Out, en anglais. Voilà. Voilà le groupe. Bah, c'est vrai que pour faire de la musique, pas près de se retrouver sur une scène ou quoi, il faut quand même avoir les couilles. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Quel est ton rôle au sein du groupe? Pardon? Quel est ton rôle au sein du groupe? Mon rôle? Je suis guitariste. Voilà, il n'y a pas de lead, il n'y a pas de rythmique. Avec Yann, qui est le deuxième six-cordiste, chacun a ses morceaux. Une fois, c'est l'un qui fait le solo, une fois, c'est l'autre. Il n'y a pas de lead. On est lead tous les deux, si tu veux. Voilà, il y a deux guitaristes, un bassiste chanteur et un batteur. Est-ce que c'est toi qui compose en partie les morceaux ou c'est plutôt des compositions qui viennent de... qui émergent de... d'une jam? Écoute, au niveau des compos, il n'y a pas de cerveau dans la formation, en proprement parler, parce qu'on est quatre cons, tu vois, donc il n'y en a pas un qui sort du lot, mais quatre cons ensemble, ça, on fait des titres ensemble, on se voit, on répète, parfois il y en a un qui a une idée de riff, il sort son riff, l'autre il suit à la boîte à rythme, si tu veux, et puis on pose chacun nos notes, et entre nous on se concerte, on dit ça c'est bien à travailler, on retouche, voilà, c'est vraiment une production on va dire collective, constructive, et on construit nos morceaux comme ça, voilà. En t'entendant parler, en voyant un petit peu comme ton regard ou quoi, en voyant un peu l'historique du nom du groupe, j'ai l'impression que c'est une bande de potes qui se retrouvent déjà dans un premier temps pour faire de la zik et s'amuser. Alors, il y a deux binômes, si tu veux. Je vais commencer par Pat et Yann, donc Pat le bassiste et Yann le guitariste, qui ont fait de la musique ensemble depuis maintenant plus de 10 ans. Donc eux, c'est vraiment des potes zikos et ils se sont contactés en 2016 parce qu'ils voulaient refaire une formation exclusivement hard rock traditionnel, et ils cherchaient d'autres musiciens pour participer à ce projet. Et le deuxième binôme, donc me concernant, donc il y a Pierre, le batteur, et moi, qui sommes des amis d'enfance depuis la maternelle. Et nous, on faisait de la musique à la maison, tu vois, dans nos chambres, et on faisait des petits bœufs entre nous. Et moi, en 2016, je voulais vraiment sortir de ma chambre, si tu veux, et vraiment commencer à composer et me mettre plus en avant. Et Pat et Yann ont posté une annonce sur le net, sur Zikinf. Et on s'est rencontrés comme ça. Ils cherchaient, comme par hasard, un batteur. Au début, il y en a un qui a été recruté, mais qui n'a pas fait l'affaire. Et du coup, j'ai proposé mon ami d'enfance, Pierre. Et l'osmose a fonctionné direct. Voilà, la première appête a fait que on a dit on est bon, on garde cette formation, et voilà. On est là en 2016, donc 3 ans après, ça se passe très bien. Touche du bois. Voilà. Si tu veux, tiens la boîte. Mais comme tu dis, c'est vraiment une bonne de potes qui se retrouvent et on s'entend tous très bien. C'est très fraternel entre nous, vraiment. Quand on écoute l'album qui sonne très très hard rock, comme tu le disais, hein, d'ailleurs tant mieux, parce que ça change un peu de ce qu'on entend pour le moment, de ce qui sort. Tout le monde essaie de copier ce qu'il y a qui marche, mais on en oublie un petit peu les racines. Les racines qui viennent, comme disait Ake Coucou, Johnny, elle vient de là, elle vient du blues, mais on vient aussi du rock et du hard rock. Et on en a de moins en moins. Et franchement, ça m'a fait plaisir quand j'ai écouté. Je fais, oh, je vais passer directement dans ma prog. Et je dirais même que même la pochette, l'artwork de cet album est très rock'n'roll. C'est-à-dire que maintenant, les groupes ont oublié de se mettre sur les pochettes ou quoi.
Non, vous, vous prenez pas au sérieux. On est assez brut, cash, tu vois. Il n'y a pas de fioriture, on est vrai, si tu veux. Voilà, que ça soit au niveau composition des morceaux, tout ce qu'on a fait en studio, il n'y a pas. On a juste mis une réverb en tant qu'effet. Donc, tu vois, il n'y a rien de. Le jour où tu nous vois en live, ça sera pareil. Ça sera pareil, et c'est vrai qu'on voulait se mettre en photo, voir nos quatre gueules, tu vois, puis vraiment participer à un premier album où vraiment on dit c'est nous, tu vois. Mais c'est vrai que on n'est pas trop musique hard rock contemporain. Mes goûts perso, je trouve que ça sonne un peu froid, tu vois. J'aime bien, comme tu dis, les racines de l'époque. On joue sur des instruments un peu. Des sonorités un peu vintage, voilà, à la fois tranchantes et chaudes, enfin ce qui m'accroche, hein, ce qui m'attire. Et on va vraiment, c'est la conception du groupe, on va vraiment rester sur un son comme ça, qui nous fait vibrer, si tu veux. Justement, ce qui te fait vibrer à toi ne peut peut-être pas le faire aux autres, mais je ne crois pas, sinon vous ne feriez pas la même musique. Mais qu'est-ce qui t'a dit, un jour je ferai de la musique, et qu'est-ce qui t'a décidé, waouh, je veux faire un jour comme lui? C'est à force d'écouter les artistes qui te... Je suis un grand fan d'AC/DC, je pense que j'ai commencé la guitare grâce à ce groupe. J'ai voulu reproduire. J'ai été curieux, à l'époque il y avait une vieille guitare qui traînait chez moi. Et je me suis dit allez je vais prendre et je suis curieux, j'écoute. Aujourd'hui on a internet, t'as YouTube, c'est facile, on a accès à beaucoup de choses rapidement. Et j'ai commencé à prendre la guitare seul et ça m'a attiré de plus en plus et c'est devenu, on va dire, clairement ma passion, hein, notamment pour ce style de musique, le rock, le hard rock, et j'ai voulu poursuivre là-dedans. Ma question va être un peu plus précise, quel membre de AC/DC t'as vraiment donné envie de, j'ai envie de faire, de mettre la guitare? Non mais clairement quand t'écoutes, que tu connais pas, c'est le lead, hein, c'est Angus, hein, Angus Young, ouais. Parce que il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas, mais les grosses parties de composition, c'était Malcolm. Ouais, The Brain on l'appelle, le fameux, le cerveau, je sais. Rock'n'roll, esprit à se marrer avec les potes, de quoi traitent vos textes? On va dire c'est assez authentique dans l'esprit hard rock, hein. Non, c'est assez... clairement, ça parle de cul, hein. C'est Pat qui gère toute la partie parole. C'est essentiellement les femmes, tout ça, et à 75% on va dire. Et le reste, ça reste sur la vie de groupe, entre nous, sur la route, en concert. Ça reste là-dessus. On va pas parler philosophie, recettes de cuisine, jeux vidéo, tout ça, non. Ça reste esprit rock'n'roll, à fond. Ce qui nous anime, vraiment. On peut dire donc sex, drugs, rock'n'roll. Carrément. Ce que la génération de maintenant a pratiquement oublié, parce que c'est maintenant, c'est Satan, c'est le diable et tout ça, quoi. Comment a été accueillie votre sortie de ce petit bébé, votre premier bébé peut-être, hein? Déjà, on va commencer en 2018, lorsqu'on a fait le premier EP. Ça nous a fait une bonne carte de visite, si tu veux, pour voir mettre en avant ce que c'est Balls Out, un groupe qui de nulle part qui sort de Nice. Là on a pu cerner à peu près le profil du groupe et vraiment avec ce premier album on a voulu vraiment montrer nos valeurs davantage au niveau de la qualité du produit sur les morceaux, la composition. Voilà ce qu'on a voulu mettre en avant. Ouais. Franchement, déjà je tiens à dire aux personnes, allez voir déjà leur tronche sur la pochette, quoi, c'est génial, quoi. C'est génial. Ben moi je suis en train de bailler, je suis crevé et il fait. Moi je vous dis pas comme bon, on sait que Balls Out parle de... On sait très bien que Balls Out parle de sexe dans ses paroles. Je vous dis pas, il fait tellement chaud ici que je vous dirais même pas que. Allez, on va le dire quand même, j'ai les couilles à la plage tellement que je transpire, quoi. Ouais, ce serait peut-être un titre de chanson peut-être. J'ai des couilles à la plage. Pense-y peut-être. On a beaucoup d'idées, tu sais, on manque pas de la connerie, de l'idée, on en manque pas. Et j'ai les balls à la plage. C'est ça. Maintenant, pour pouvoir vendre son bébé, il faut aussi tourner des clips. Ouais.
donc. Là, il faut qu'on ait, on a des idées là-dessus. C'est avec nos moyens de ce jour, c'est plus ou moins évident de mettre ça en œuvre, mais on a les idées et on va tout faire pour. On a l'ambition, on va tout faire pour mettre ça en avant d'ici fin d'année. On a sorti un premier clip, un single sur Money Guard, qui est le troisième titre de l'album. On a le projet de faire le titre Let Me In, donc le titre de l'album, et un autre sur un morceau acoustique. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut du visuel, il faut qu'on nous voit, donc on travaille cette partie. C'est dans le coin de nos têtes. Donc vous avez déjà des idées, mais tu ne préfères pas trop en parler pour le moment, quoi. Pas je préfère pas trop en parler, c'est ça va se faire. Voilà, faites-nous confiance, ça va se faire. Ouais. Vous avez déjà écumé quelques salles, quelques régions. Comment est le public? Je ne parle pas de votre région à vous, où les gens vous connaissent, mais comment est la réaction? Je prends l'exemple, si vous êtes déjà monté dans le Nord ou quelque chose comme ça. Quel a été le ressenti du public en vous écoutant jouer, vous regardant jouer? Déjà, pour mettre les choses à plat, notre scène, région sud-est France, il n'y en a pas, il n'y en a plus. C'est pas le public pour. Donc on a compris qu'il fallait qu'on se déplace pour ça. On a eu l'opportunité de jouer ici au Off l'an dernier, au L Session. On a partagé la scène avec le guitariste de Trust, c'était fabuleux. Et l'occasion de faire Clutch l'an dernier à l'Elysée Montmartre. Donc c'est les deux grosses scènes où vraiment on a pu avoir un public qui a été très réactif et vraiment qui se déplaçait pour ce genre de musique. Et là on a vu que les riffs que tu sais quand t'es chez toi à la maison, que tu grattes au coin du lit, et que tu mets en production au studio et que tu présentes une fois public, quand tu vois que tu as des gens réceptifs, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir et c'est là où tu te dis, il y a encore une scène rock, hard rock d'avant et c'est génial, c'est génial. Ça donnerait envie à Clunch, à Ball Out, on parlait de Clunch tout à l'heure, à Ball Out éventuellement de s'exiler alors. Ouais, on est chaud, on est motivé. On est motivé pour s'exporter, qu'on nous découvre et même nous découvrir ailleurs. Quand tu dis que dans ta région, ce n'est pas c'est pas le genre de musique que les gens écoutent, est-ce que tu ne crois pas aussi que c'est un manque de communication éventuellement pour que les gens puissent vous découvrir et tout ça? Ou est-ce qu'il n'y a peut-être pas assez de groupes de métal chez vous? Il y a des groupes de métal, des groupes extrêmes, tout ça. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas le public pour ça. C'est juste ça. La communication, tu peux en faire dans tous les moyens que tu veux, mais on n'a pas forcément... on a des amis, bien sûr, qui se déplacent lors des lives et tout, mais tu n'auras pas un public comme tu peux trouver sur Paris ou quoi, où vraiment, il y a des... pas des scènes dédiées spécialement à ça, mais vraiment un public qui s'anime... pour ce genre musical, voilà. C'est ça le gros problème qu'il y a chez nous. Faut que tu fasses du Maître Gims pour avoir du public alors, si j'ai bien compris. C'est triste à dire nous concernant, mais ça marcherait plus. Chez nous, ça marche plus, ouais. C'est plus le populaire, ce genre de musique, quoi, ouais. Mais on ne redit pas nos origines, on vient du Sud et on ne redit pas nos origines. Hein. on sait tes influences, ouais. Maintenant, à mon avis, je me doute à 50% avec qui aimerais-tu ou aurais-tu aimé réaliser une jam? Une jam, clairement, Airborne. Airborne, vraiment la musique rock. Eux, ils te retournent une scène. Hein, c'est vraiment la musique qui se vit. Et nous, quand on joue, on a beaucoup d'énergie à vendre. Et je pense que l'énergie dans un groupe, c'est essentiel. Il faut que tu te défonces, il faut que tu animes les gens et il faut qu'ils aient quelque chose de croustillant, à se régaler. Et moi, en tant que spectateur, c'est ce que j'attends de voir l'artiste sur le public, donc je veux vendre ça aussi. Voilà, un jam comme ça, ça serait fou. Bah, Airborne, c'est encore faisable. On va rester dans le terre à terre, hein. Oui, oui. Bah, ils tournent dans les petites salles chez nous, des fois, généralement, les groupes sont généralement pris. Hein. Là, malheureusement, on est pris par le temps.
quel est le message que tu as envie d'adresser aux gens pour qu'ils viennent voir, enfin, viennent vous voir ou découvrent votre nouvelle? Bah, déjà pour nous découvrir, et si tu connais, si tu nous connais pas, si tu connais pas cette formation, si dans tes influences t'aimes bien Kiss, ACDC, Motorhead, tu nous aimeras forcément parce qu'on est, on copie pas, mais on est très respectueux et influencé de ce genre musical. Donc soyez curieux comme nous on l'est aujourd'hui sur les nouvelles scènes émergentes, les groupes émergents de hard rock traditionnels. Et au plaisir de se rencontrer, boire une bière et partager des choses. Voilà, on est très ouverts.